Donc là, j'accueille Georges et Estelle. Alors Georges, respectivement, porte-parole du groupe Seb et de la marque Moulinex. Et Estelle également, qui elle va porter la parole du groupe Darty. Tous les trois, on va juger donc les prestations de Solène pour démarrer, donc qui est le guacamole. Tout simplement, ce qu'on attendait d'elle dans un premier temps, c'était 1. Le respect de la recette originale, celle qui est inscrite dans le livre. Ensuite, on a le goût. Alors, sur la prestation de Solène, le goût était, j'ai envie de dire, impeccablement exécuté, dans le sens où le guacamole doit avoir un goût d'avocat, avant tout, et ne doit pas être trop citronné ou trop relevé. Donc, deux critères déjà de notation. Solène a pris le parti pris dans la décoration de rajouter un peu de piment d'Espelette sur le dessus, ce qui vient relever aussi un peu la préparation. Alors, piment d'Espelette qui n'a pas été pris en compte dans le sens où on leur demandait de bien respecter la recette comme elle était indiquée dans le livre. On passe ensuite à la dégustation de Louise, qui, je le rappelle, réalisait des briques de poulet. Belle exécution également de la part de Louise. Encore une fois, donc la farce était cuite par le robot compagnon, puis on a plié donc nos petits triangles, on a repassé ensuite au four, un tout petit peu de matière grasse donc pour rendre la feuille de brique un peu plus croustillante. On passe ensuite donc à Elisabeth qui elle nous a présenté la recette de croquettes de jambon. Croquettes qui sont moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur, donc un juste respect de la cuisson. Encore une fois, c'est 2-3 minutes grand maximum dans la friture pour justement donner un bel aspect croustillant et j'ai envie de dire gourmand aussi à notre croquette. Recette un peu plus difficile pour Elisabeth à présenter. Encore une fois, on n'est pas sur quelque chose de gourmand et de facile à présenter. Maintenant, très belle exécution aussi sur l'assiette d'Elisabeth. Il y a toujours une envie d'y revenir dans ces assiettes. Donc, 3 belles exécutions de la part de nos candidates qui étaient Solène, Louise et Elisabeth. Difficile pour Georges, Estelle et moi-même de délibérer. Alors, je le rappelle, nos candidates sont notées sur 4 critères très importants pour nous, qui sont le goût, la présentation visuelle, le respect du temps imparti et également le respect de la recette comme elle est indiquée dans le livre.